Donc, cette technique va permettre, en travaillant sur les chakras dits secondaires, d'apporter une harmonisation globale, à la fois physique et aussi un apaisement mental. Ça permet justement de diminuer le stress, de se sentir plus serein. Donc, on va commencer, comme vous le voyez, par les pieds. Il se trouve ici, là, au pied, il se trouve un chakra aussi, que le chinois appelle Laogong. Ensuite, nous allons nous déplacer les mains au niveau du tendon d'Achille. Donc, on pratique la technique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de se connecter à nos deux mains à la fois, pour plus d'efficacité. Ensuite, mes mains vont se déplacer sur un endroit des mollets, qui est souvent un endroit de tension aussi. Cet endroit est facile à repérer. Ensuite, nous allons poser les deux mains derrière les genoux, dans le creux poplité. Évidemment, en réalité, on reste un peu plus longtemps sur chaque partie. Donc, observez les mains où elles sont posées, les cuisses à l'intérieur. Ensuite, nous allons se poser sur le crête iliaque. Dans l'aine. Ensuite, sur les bas des côtes. Aussi se fait un chakra, le creux des épaules. Je continue par les coudes. Je vais établir la connexion entre notre main gauche et notre main droite. Le poignet, là aussi un chakra. Pour terminer, au creux des paumes, la main. Dans le milieu de la paume de la